كان يا مكان في قديم الزمان من سار العصر والمكان كريمان يتحاوران على أمور الدنيا والمقام فلكل مقام مقال. أهلا بكم في حلقتنا الجديدة التي ستضيء على الستارت اب. الستارت اب تقول الستارت اب الستارت اب واش يا مو؟ سالو كريم صافا خو؟ صافا لاباس؟ كوبينا كوبينا كوبيت خلاص خلاص ايزي الف ليلة وليلة. Alors déjà je suis sûr pour ce numéro انا وياك نحكموا الكونتر بلاي ما شوف 15 مينوت اون لا ونعرف نحبس هكا تاع وكنت حاب نحبس. Où est-ce que tu es? Écoute, super, ne perdons pas de temps. Hi. Tout va bien, je vais bien, tu vas bien. On va bien, tu vas bien. On a 15 minutes. Hein, on a 15 minutes. Je dis que c'est top, c'est génial, mais peut-être que je vais vous donner un peu le compteur. Aujourd'hui, on a décidé de parler de start-up. Exactement. Okay. Parler de start-up, mais en fait, pas vraiment trop nous étaler ni sur une définition ni sur autre chose. Ça va être compliqué en tout cas de définir quelque chose. On va balancer des points. On va dire c'est quoi, comment ça pourrait, etc. etc. Qu'est-ce que tu fais? Non, on va aller gérer. Concentre-toi, compteur. En fait, l'idée pour quoi on veut parler de start-up, comme ça je mets le sujet sur la table, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'actions qui tournent autour de ce mot de start-up. Ouais. Alors, l'objectif du débat, c'est pas de définir le start-up, puisqu'on va la start-up partant ou le start-up. Mais on va jeter des infos. Mais on va essayer de partir sur un principe de base qui a été mon idée de développement de théorie. Enfin, de doctorat, quoi, de management. Ouais. Nous rappelons évidemment que Karim Rouri est doctorant. En DBA, pas un PhD, un DBA, donc ouais. C'est un doctorat exécutif. C'est très bien. Baba Larhmo, il m'avait dit, mon fils, le jour où tu croiseras quelqu'un qui t'énerve, tu pourras lui dire. Appelez-moi docteur. Monsieur Bourri, non. Docteur. Ça va être avec les. Dès que ça. Bah mais Hamkoualiha c'est docteur. Monsieur Mazam a un petit docteur. Actrement. Mais je suis un chercheur dans le management. Excellent. Ok, donc du coup, en équipe d'être la thèse de doctorat, je m'étais posé une question de base. Oui, c'est bien. L'Algérie veut relancer son économie depuis les 10 dernières années, on va dire ça comme ça. Et autour d'actions qui m'a lancé, je mange un canard. Etc. Où ils ont l'assess des actions gars ou à l'entrepreneur, le mouqawil ou le mouqawalatia, donc l'entrepreneuriat. Donc à partir de là, la question que je m'étais posée, c'était de dire mais sommes-nous prêts à l'entrepreneuriat? Est-ce que nous les Algériens, nous le peuple, nous les agents économiques qui devons devenir des entrepreneurs, sommes-nous prêts? Et aujourd'hui, le sujet n'est même plus à cette étape, c'est on est en train de parler de start-up, c'est-à-dire qu'on part du principe que le sujet d'entrepreneuriat est réglé. Ou bien, il y a les rahou, la raihin ou la rahoum, l'entrepreneuriat, donc le mouqawalatia. راهم واجدين يروحوا لا ستارت اب. انا باش نتفاهموا ستارت اب اسمها بالعربيه شركه ناشئه. باسكو اي موا شو داكور افيك سيت ديفينيسيون باسكو اونيتمون دان نوتر كومبريهنسيون جينيرال دي كون دي ستارت اب اون اسوسي توت سويت ستارت اب ا تكنولوجي ان توكا لا بلوبار دو تام مي كيل انتربريز aujourd'hui, n'utilise pas la technologie. Ça commence à être très rare, que ce soit sur sa conception, production, distribution ou autre. Donc on est aujourd'hui, toutes les entreprises, a priori, en tout cas, celles qui démarrent, sont des startups par définition. C'est le sens. Mais ne rentrons pas dans le détail, dans l'idée de dire, on ne va pas définir. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de définir la startup. Non, c'est juste pour apporter un point de vue sur le fait que, à mon avis, en Algérie, dans notre pays, il sera non seulement très difficile de définir une start-up, mais que toutes les entreprises qui se créent, la démarche CNLC, création d'entreprise, finalement, ce sont des start-up. C'est une entreprise qui veut commencer. Et de toute façon, elle utilisera de la technologie. Peut-être pas dans 100% des cas, mais je veux dire, c'est une entreprise qui va démarrer. Donc, ok, on a un débat, start-up, technologique, etc., d'où la difficulté de la définition. Mais bon, on reviendra sur ce sujet, parce que c'est un vrai... On fera un numéro spécial. Oui, oui, on fera un numéro spécial. D'ailleurs, il y a une actualité prochainement. Oui, peut-être certaines personnes ont eu l'occasion de me voir à la télé dans un débat qui avait été organisé par le ministère du Commerce. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que c'est en ce moment avec le Hirak et tout ça. Mais en fait, ça remonte à plus. Depuis deux ans...
on commence à avoir l'opportunité de parler de ça. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de dire, est-ce que on est sûr que les startups sont la solution pour nous, ou en sommes-nous prêts? Et pour pouvoir être prêts et comprendre notre maturité par rapport aux startups et le startuping, il faudra qu'on définisse, parce que Ganadro l'aura toujours. Le souci de l'Oulani, c'est Ganadro l'aura. Ah oui, qu'on ait le même lexique. Mais ça, ok, خلاص, photo d'étape, ok, on a gagné, femme, je m'attends à startup. Donc, voilà, je suis une startup, l'économie. C'est quoi l'opportunité d'avoir des startups, l'économie? Donc, à ce moment-là, aujourd'hui, on pourrait partir du principe de dire ok, les startups ont démontré dans plusieurs pays, et prenons allez, pour exemple l'Estonie, je vais prendre l'Estonie. Ah, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le, le, c'est le, la licorne. Ah, c'est, non mais c'est très intéressant, l'Estonie bzaf nas ma arfouhach, très souvent on qolha zman hna la génération tana li kberna ma la télé française, kouna nchoufou la télé ki dirou Eurovision zman on chna sma'o ghir Estonia, 2 points. Donc, je n'ai pas l'Estonie, ou bon, je n'ai pas l'Afrique, je n'ai pas les Estoniens qui barchent, et voilà, tu as vu ce mec. Mais. Attends, petite. Très anecdote, rapidement. Ouais. Non, enfin, pas anecdote. L'Estonie a créé son programme, son concept exact. De nation digitale. Ah oui. Digital nation. C'est plus un concept hein, aujourd'hui. L'IHB des résidences, tu as e-résident, l'IHB est e-citoyen, tu as l'Estonie. Alors, e-citoyen n'a rien à voir avec citoyen, hein, ça ne donne pas droit au visa, ou la question. Voilà. Mais alors, pour, en termes de visa, j'en parlais avec des jeunes start-upers qui ont le visa start-up. Alors, je vais vous dire, l'Estonie est une boucle, c'est rare à l'Alger, une vraie boucle. Ils sont, l'Ioma, ils doivent être 1,5 million de personnes, dans le pays. 1,5 million de personnes, l'Ioma, les statistiques, ils ont 600 start-up dans le pays. Ou les 600 start-up, pardon, ils ont 4, c'est des licornes. Où je m'en ai des licornes? Donc, une fois que vous savez, c'est Skype. Skype, c'est Estonie. Et où je m'attends une licorne avant d'être acheté par Microsoft, bien sûr, mais voilà, c'est une start-up, c'est une licorne qui est valorisée, c'est même quasiment $1 million, c'est pas grand chose. Voilà, donc du coup, 1,5 million, donc imagine 40 millions. Non, mais leur constat, c'est quoi? D'abord, l'Estonie, la Gal, chauffe, on a un pétrole, on a gaz, on n'a pas de ressources naturelles, on a un territoire plus, qui est composé essentiellement d'espaces verts, ce sont des forêts, etc. Mais un tout petit territoire. On n'a pas, tout petit, on n'a pas de tourisme particulier, il n'y a pas ça. Donc, avec quoi on fait? En gros, c'est une réflexion autour de la grosse contrainte qui existait, donc des freins au développement ou à la croissance, et ils ont décidé de faire de la digitalisation du pays, hein, donc le Digital Nation, une force, un outil. Il y a une fiscalité européenne plus allégée, en tout cas beaucoup plus favorable que tous les autres États européens. Elle fait partie de l'Europe. Ceux qui créent une société là-bas peuvent s'adresser à toute l'Europe. Ils ont des procédures exclusivement online, donc en gros signature électronique online, rapport avec la fiscalité, le fisc, les institutions, etc. Tout se fait en online. Ils ont les gateways de paiement, de collecte, etc. online. C'est fait pour les entrepreneurs nomades. Voilà, il y a aussi ce concept d'entrepreneur nomade. On y reviendra peut-être un autre jour. L'Estonie, c'est un vrai exemple, mais on peut le revoir aussi dans des pays comme le Liban. Alors, dernièrement, j'étais en Égypte dans un colloque où j'ai vu les Palestiniens, les Palestiniens qui ont fait la guerre, la catastrophe, on a fait l'arabe de Mahtelin. Donc, mais il est clair que les petits pays qui m'a donc la Palestine, qui est en plus l'écosystème de Nog, mais le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Tunisie, nos voisins, le Maroc et l'Estonie, comme on le dit, et d'autres pays qui sont à peu près dans la même taille, de facto, ils ont deux grands problèmes. C'est la taille du marché, c'est le manque d'autres ressources. Donc il fallait forcément y rouvrir d'autres domaines. Le pétrole, ou ma fouinèche, le wad leader, les premiers Algériens, en disant le pétrole, le milk, le djel, le djel, ou le milk, l'ard. Donc c'est une din les nazim narja. Donc plus vite, c'est un loi du drame, plus vite, nazim narja. Donc on n'a pas, ma fouinèche, le wad. Donc on s'est perverti à utiliser l'argent du pétrole. Donc
on est devenu un pays entier, et on oubliait qu'il fallait développer d'autres choses. C'est ma lioma, on pense que avoir des startups qui masquent Skype, etc., qui sont détachés de l'économie du pétrole, et ça peut pas se faire en 5 minutes, hein, il faudra du temps, parce que couler Chalawidor autour du pétrole, ça va nous prendre un peu de temps de le faire. Donc à ce moment-là, aujourd'hui, si on pouvait avoir des petites startups qui commencent et qui deviendraient dans quelques 3 à 5 ans des grands mastodontes tournés vers l'international, et donc ils vont être le nouveau Eldorado Ternox, la nouvelle source d'impôts, parce qu'il finance les impôts et il trouve le blad, pas que, parce que bon, il y a des problèmes liés à cette fiscalité, notamment en Europe, où ils sont sur les débats, faut-il taxer et tout. C'est un débat qui est important qu'à l'échelle des gouvernants. Mais juste pour dire que, par exemple, l'Estonie, dans sa logique, c'est, je te fais un mot technique, mais je vais créer des startups dans le Jazeera, des startups jazériennes, mais tu as une capter des startups dans le monde d'un autre. L'écosystème, l'opportunité d'avoir des startups, c'est que les startups en elles-mêmes génèrent un chiffre d'affaires intéressant, blablabla. Mais aussi, c'est de capter l'opportunité, c'est d'avoir un écosystème qui va se créer autour de ces premières startups pionnières et qui va attirer d'autres startups, si ce n'est des multinationales, des Google, qui vont avoir un intérêt de s'installer dans un pays comme le nôtre et de développer encore plus l'écosystème et surtout de faire rentrer de l'argent le blad ou le jazairien. En fait, c'est une conquête. Tu sais, on a longtemps, il y a eu l'époque des explorateurs, ils allaient sur les différents continents et ils posaient leur drapeau, leur truc, et ceci est le territoire de la reine. Bon, on ne va pas rediscuter cette histoire, dans le but de récupérer des richesses. Internet est un nouveau continent qui a émergé, donc c'est un continent sans territoire, hein, mais c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde où on peut commercer, discuter, apprendre, etc. Donc ce territoire-là a besoin à un moment donné de se recréer en pays, de se recréer en continent. Quand je dis en continent, en pays avec une espèce de... On cherche à réglementer, on cherche à réguler, mais on offre aussi des moyens, dans le cadre d'écosystèmes, de joindre cet écosystème. L'Estonie, c'est ce qu'elle fait. Elle te dit, viens créer ta start-up chez moi, ok, est-ce que tu as le droit ou pas. Nous avons tous les éléments nécessaires à ton développement, à ta croissance. On parlera pas, on fera un deuxième numéro aussi lié à l'écosystème, mais en tout cas, beaucoup de choses sont disponibles pour ton travail nomade et ton travail à distance. Et ton rapport à l'administration est garanti, certifié grâce à ton identité digitale numérique. C'est ça. Mais tout ça pour dire, c'est que tu as commencé déjà à développer le côté idée. C'est-à-dire qu'on est parti du principe aujourd'hui que dans notre réflexion, pourquoi on parle de start-up et c'est quoi l'intérêt ? Et en fait, l'opportunité, deuxièmement, pour le pays. Mais maintenant, l'idée, c'est de quoi ? Parce qu'on est aujourd'hui sur un niveau macro de réflexion. C'est maintenant le fort, on en a juste l'opération, le macro, stratégique. C'est ma finalité, Lyoma. Il faudrait que l'écosystème, et donc, les agents économiques, les clients, le marché, tout le monde, doit maintenant faire en sorte qu'il y ait un vrai écosystème réel. Et aujourd'hui, une des problématiques de l'écosystème, c'est au final, كيفاش نعقل بلي هذا كاباب ستارت اب بلي ماشي ستارت اب باش ولا لازم نعاون لي ستارت اب شكون هما من شكون دونك سي بور سا كي اوجوردي سو غران ديبا كي ريفيان سور لا تاب ان ديزون مي كومون اون وا فير بيرسونيلمون مو دونك جي في دي ترافو سور سا سور ليستوني لي ايتازوني لا فرانس لي فنلاندي ايتترا مي فو با اوبليي جوست نو فوازان جاي دير نو كوزان نو فوازان سي ميم با نو كوزان سي نو فرير لي تونيزيان كي او اوسي اون اوجوردي ديسيدي دو رولانسي لا ماشين سيريوزمون اي ايزون في ان ستارت اب act un peu comme le Patriot Act américain, le terrorisme, le Startup Act. Et l'objectif du Startup Act, c'est une labellisation, la labellisation de la startup. Et personnellement, j'avais été sollicité par des parties prenantes pour nous demander un avis sur une définition de la startup qu'on pourra après partager plus tard dans un autre numéro. Mais ça, c'est une autre histoire. On a dit, ben, ce qu'on fait les gens de c'est très très bien. C'est le même contexte, donc restrictions sur le change. Exact. C'est les mêmes problématiques. Donc c'est très bien fait. Ouais. Sauf que on a déjà des programmes existants qui m'lancent à l'ange, mais qui donnent des attributs des aides. Tu veux vraiment qu'on fasse un sujet autour de l'ensemble? Je pense qu'on va être obligé. Et beaucoup de gens ne savent pas que mon entreprise est une entreprise en siège. Bon, ben, je raconterai l'histoire. Mais du coup. Nous, la seule grande différence qu'on a proposée, c'est que ça soit une labellisation qui permet aux entreprises qui seraient des startups d'avoir droit à des aides, mais surtout à un joker. C'est-à-dire que quand on a le label, ce label n'est pas donné à n'importe quel moment, mais
au moment où la start-up demandera ce joker qui rentre en jeu. Je réexpliquerai, Inch'Allah, ce concept. Je tiens à prendre à témoin tous ceux qui nous écoutent. Karim, il nous reste une trentaine de secondes. Oui. Hein, on va déborder parce qu'on n'a pas tout à fait fini. On a fini. Non, non, pas du tout. Ma tassip, le générique de début, c'est très rare. Non, on va déborder parce qu'il nous manque un peu de fun cette émission, etc. Donc, de toute façon, on a décidé de fonctionner agile. Agile, Scrum, safe, direct. Oui. Il parle une autre langue. On reviendra sous ces mots. Là, tu connais le Karnat, Octopus. Octopus. J'ai la fille d'une copine que je salue, Lilia, que j'ai vue il y a 2 ou 3 ans, qui vit maintenant en France. Ah, tu vois, ce matin, des 15 minutes. Délai écoulé. Mais c'est ça. Il y a un mahsabch une minute à début. Dans l'intérêt. Donc, ma pote, sa fille géniale, elle est magnifique et tout ça. Elle devait avoir 4 ans. Aïchine fait pendant ça. Donc, elle a sabité. Si elle a le benta, donc que je salue Lydia et Mourad, le papa et la maman. Et leur petite fille, elle est en train d'apprendre l'arabe. Et ça, c'est très important. On pourra en reparler dans le design thinking, c'est la méthodologie que le cerveau a pour régler des problématiques. Et elle, c'est dans l'apprentissage. Donc l'idée, c'était de dire, je suis en train d'apprendre l'arabe avant, c'est bien. C'est quoi le mot que tu connais? Orthobot, tu sais comment je me suis rappelé d'orthobot? Parce que ça ressemble à orthoprout. Enfin bref, c'est la créativité qui en fait qui est innée chez nous les humains, j'allais dire les enfants, mais chez nous les adultes qui devons rester enfants et qui permet, c'est la seule chose qui permettra d'avoir de vraies start-up au sens réel de la chose et qui seraient des start-up concurrentes à l'international et avec un sens pour l'économie nationale. Donc créer pour créer, ça sert à rien. L'apport de la start-up, enfin je veux dire, souvent on se pose des questions, on se dit est-ce qu'on doit raisonner sur un marché hyper local, est-ce qu'on doit raisonner sur un marché... juste local, donc hyper local, on entend bien, hein, c'est le quartier, hein, c'est le premier, c'est la première zone. Ouais, tu vois, tu fais en sorte que tu nous rappelles qu'il faudra qu'on parle forcément des notions, et je suis en train de prendre note, parce que je m'en sais, ou je peux écouter le papier d'Awidor, c'est les notions d'unité de mesure. Ah oui. C'est-à-dire, c'est les notions d'unité de mesure qui sont impératives pour nous. Les unités de mesure au sens économique, pour créer un écosystème, il faut que nous devions créer une unité de mesure. Et beaucoup de gens ne savent pas. Donc, ils ont le marché. La macro, voilà. Non, ça délimite la macro. On est d'accord. Ça valide juste des choses au départ. C'est-à-dire, OK, on peut s'intéresser à ça, parce que sur le niveau macro, il y a des indicateurs qui semblent positifs. Mais on détache cet amr totalement du contexte le واقع الجزائري, احنا الجزائريين الجزائريين. Dans le sens où احنا يا عندنا عقليه communautaire. Il y a beaucoup d'études, je pourrais pas rentrer trop dans les détails, mais qui démontrent clairement que احنا c'est là où ils يقولوا مين داك يقولوا بلي احنا شبه les japonais. Mesdames et messieurs, le numéro 2 de notre émission. Non. Et juste pour dire que nous on ressemble aux japonais sur cette notion de cohorte. القبيلة exactement الشيخ بن خلدون ما غلطش علينا احنا قبائل ماشي القبائل كيما سماو القور سور لا كابيلي مي القبائل او سونس عرب سي دي تريبو وكيما قال لكم بن خلدون اتفق العرب ان يتفقوا مي بارلي با دي اتفق العرب ان لا يتفقوا باسكو اون ريسبكتي بلوس سيت اوردر دو تريبو باسكو العمران اي لا كونستركسيون دي غراند سيتي اي جوسكو اون اريف ا لا نوسيون دي سيتي ناسيون qui a détruit cette notion de base de l'unité de mesure qui était au niveau de la tribu. Hana mazat existait hada l'aqliya, c'est ouchno, dcharat, le régionalisme, علاش ما حبش يروح. Parce que c'est très profondément ancré. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, hein, quand on reprend cette unité de mesure, comment elle s'est transformée, comme tu dis, dchara ou la qabila, donc la tribu qui a son chef, hein, entre guillemets. C'est ça, il y a un livre de Mohamed Hani, si je dis pas de c'est Hani, Mohamed ou Mustafa, je me rappelle plus, qui c'est le chef et le cheikh et le patron. Le cheikh et le patron. Ah. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que finalement, notre unité de mesure aujourd'hui, c'est peut-être, si on la transpose à l'organisation de l'État, c'est la PC.
C'est le maire. Ça, tu es en train de parler du côté organisationnel de l'État, mais moi je parlerai plus. Moi, ma tête, c'est sur l'informel, donc sur le côté où il y a le business. Et c'est là où on a la définition de la start-up, ben, sur la notion est-ce que la start-up doit être une entreprise ou être une mazette, c'est une idée. Absolument. Je suis de Jumaa qui dit qu'il doit être une entreprise. Qu'est-ce que Jumaa qui dit là? Ça, c'est un débat qui est. Par contre, je suis d'accord qu'il y a ça. Il y a le proof of concept qui est dans l'informel. Ça veut dire qu'il doit être testé. Il y a le garage. Et j'ai retrouvé des photos dans le garage. Parce que quand on a dit qu'il y a une entreprise qui est dans le garage, je vous montre les photos. Elle m'a fait. Et l'unité de mesure, nous, dans les villes, c'est le Houma. Le Houma, c'est une unité de mesure très importante. Qui m'a fait dire à la barre, c'est qu'il y a une notion de base dans le commerce qui est impérative pour tout commerce, pour toute relation client-entreprise, c'est la confiance. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire aujourd'hui, Karim. Parce qu'on a bien débordé au sérieux. Sur cette note. Merci. Très sérieux. Merci. Les clients. Merci de nous faire confiance. Ah, ya khoya, met lab chez ya khoya. Ya khoya, ya khoya. Bon, allez, on arrête ce numéro aujourd'hui. Je pense que effectivement, ça nous ouvre la voie sur d'autres discussions. On reviendra dessus parce qu'il y a une conférence le 14, donc je pense qu'on va en reparler pour voir ce qu'ils vont essayer de nous pendre comme définition ou comme action. Je pense qu'on va pas. Je sais pas. On verra ce qu'ils vont faire. Aucune idée. Bon, ouais. En tout cas, il y a une compréhension macro. Du rôle de la start-up dans cette macro. Il y a deux grosses théories aussi qu'il faut retenir. Tu sais, quand on est dans le business, on parle du client Big Fish. Donc, c'est des gens où tu as peu de clients, mais des gros revenus. Ou alors de long tail, donc la fameuse longue queue, où tu as des tout petits revenus, mais comme ils sont sur la longueur, ils sont plus puissants en nombre, ça génère finalement, en somme, de très gros revenus. Et pour un pays, les startups peuvent aussi avoir ce rôle-là de long tail, avec certaines grosses fiches, donc des grosses licornes qui vont apparaître à l'échelle pays ou continent. Nous parlerons de la planète peut-être plus tard, ou des petits revenus, mais cumulés, pourraient générer une grosse partie de ces revenus. Donc ça, c'est tout ça, des pistes, on en parlera. C'est tout ça. Bon, content, comme la dernière fois. Non. C'est un khatmouha avec un petit morceau. Je te mets à disposition. On est toujours en truc. Ça marche. Chez les qui, on leur dit au revoir, comme la dernière fois. C'est-à-dire au revoir. Thank you. Merci beaucoup, à bientôt. Prochain numéro. C'était 2K ROI. Ya Moulay. Ya Moulay. Qad adhara as-sabhu wajhahu wa nafsah. Wal hikaya ma zalat tawila. فلنكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله فدمتم يا أعزائي في رحمة الله وحفظه في الأمان مرسي شهرزاد